Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, et aujourd'hui on va aller sur un jeu calme, détendu, genre le pays des bisounours. Je veux parler de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ah oui, là-dessus vous pouvez, vous avez aucune crainte, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer même, y aller sans danger, tout ce que vous voulez, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez pas avoir peur. Non, c'est complètement l'inverse. Alors, ce jeu-là, je ne connaissais pas, d'accord? Enfin, si, je le connaissais de nom, mais j'avais jamais joué à ce genre de jeu, hein, pas du tout. Hein. À vrai dire, en fait, moi, quand on me parlait de Five Nights, j'imaginais en fait que c'était un jeu, à la base, hein, que c'était un jeu que vous baladez librement. Hein. Et en fait, non, c'est pas le cas. Hein. En fait, vous êtes plutôt fixe et vous pouvez un peu soit vous pencher ou vous téléporter. Hein. Il y a un niveau où on peut se téléporter. J'ai l'impression d'être dans une chambre et puis il y a les couloirs de chaque côté. Enfin bref, pour dire que si vous avez envie de vous foutre des frayeurs de malade, achetez ce jeu. Voilà, hein. Ah, vous allez le voir, hein. Dans cette vidéo, je vais sursauter plus d'une fois. Surtout que j'étais à fond dedans. Et en plus, j'ai fait cette vidéo-là le soir. Il était, je sais plus, 1h du matin, une connerie comme ça. Alors, donc déjà d'une, il faisait déjà bien nuit. Il n'y a pas de bruit, alors non, là, je vais pas vous mentir, hein, j'en ai fait des cauchemars de ce bordel-là. Enfin bref, allez, de toute façon, vous allez le vérifier par vous-même. Attendez, je regarde, non, il n'y a rien dans la boîte. Enfin bref, allez, c'est parti pour la découverte. Allez, c'est parti pour la découverte donc, de Five Nights at Freddy's. Alors moi c'est la version Help Wanted, hein, puisque j'ai acheté la version boîte. Par contre, alors attends, là c'est le 1, le 2, 3, pièce sombre, pièce et entretien, préparation de la ventilation, je pense, ouais, ventilation, et terreur nocturne, ok. Bon, on va déjà faire celui-là. Alors je préfère préciser, moi je l'ai... j'y connais rien. Alors, touche poussoir, ouais. Survie jusqu'à 6 heures. D'accord, bon. Okay. Voilà. Ah, par contre, c'est super chelou. La caméra, c'est le joystick de gauche. Ça me fait trop bizarre. Alors, comment on fait? Ah, c'est chiant, je veux absolument cliquer sur... Attends, donc Y... Attends, ça c'est la porte, ça c'est la lumière. Ah oui, non, mais j'ai pas besoin de... D'accord. Là, je peux fermer. Ok. Alors, comment on fait pour changer de caméra? Oh, c'est pas facile! Ah, je peux faire comme ça. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, voilà, il y en a deux. Ah merde, c'est où ça? Mais attends, moi je suis où en fait? Attends, il est où lui? Il est là, donc c'est... Ok. Attends. Là, il n'y a personne. Ah, ok. Merde, il est où l'autre? Ah, il t'a toi.
Watchmen, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you ah as oui, a si, on peut. Ah oui, si je peux faire plus comme ça. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff en fait, c'est stressant. Freddy Fazbear's suit. Now, that would be so bad if the suits themselves ah with cross beams, wired, animatronic devices. C'est horrible, ce truc. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would like to see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop out the front of the mask. Because, yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station debris. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Là en plus je suis juste au niveau le plus bas. Ah, ah oui, il repart. Ah non, il est là. Ah l'enfoiré. Ah mais il est derrière la porte alors. Ça te fait pas peur? Ah! Oh putain! Oh là! Il arrive lui. Attends, lui il est plus. Ah, il est toujours là lui. Attends, j'arrive pas. Ah oui, voilà. Salopard de merde. Oh, putain. Putain, j'ai failli lâcher la manette sans déconner. C'est horrible, c'est dégueulasse ce jeu. Bon attends, on va faire menu, on va essayer un autre pour voir. Ah oh, purée. Tu sais, tu m'as dit d'essayer ce jeu-là déjà. Bon, alors, FNAF 2 et 3, je pense que c'est dans le même délire. On va essayer celui à sombre pièce. Voyons voir. Alors. Oh, purée. Ah, là, je la corde, ça fout vraiment la trouille. Bon, en plus, je suis dedans, c'est le pire. Bref. Lampe de... je sais pas ce que j'allais dire, mais bon. Lampe de poche. ZR. Ok. Et ensuite, arrêter... Sur le X. Plush trap sur le X. Ok. Arrêter plush trap sur le X. Ok. Donc j'appuie sur ZR pour la lampe. je trouve plus mes mots. Putain. Allez. Alors. Ah ouais, d'accord, je dois l'arrêter sur le X, ok. Il y a quoi sur les alentours, hein? Il n'y a rien du tout. Ah, mais... Oh non, putain. Oh. Oh. Mais je parie que je peux pas rester appuyé comme ça longtemps, quoi. Attends, je vais attendre 60 secondes. Oh putain. Oh putain, il est où? Il peut être derrière moi? Oh putain. Je me cache derrière mon micro. Ah, t'es là-bas. C'est bon, je t'ai eu. Vous imaginez, vous êtes vraiment dans le noir comme ça. Vous savez qu'il y a une bestiole
La lampe peut s'éteindre ou pas? Bon là ça va, je m'attendais mais... Merde. Bon, attends, celui-là, je vais le refaire, juste comme ça, je vais voir. Alors, en fait, il faut... Ouais, je suis obligé d'attendre... Ah, elle n'est pas descendue de sa chaise d'abord. Ça. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah, c'est là qu'il descend. Il se tire sur le côté. Vas-y, j'attends 20 secondes. Wow! Vas-y, j'attends 10 secondes. Oh, attends, ça va être trop. Ah, purée, il s'est barré. Oh, purée. Je lui ai fumé sa gueule à ce petit con. Ok. Allez, c'est le premier que j'y arrive. Alors, on va essayer un autre pour voir. Alors, après, donc, ok, celui-là, bon, celui-là, j'ai perdu. Bon, ça, on n'a pas fait. Ça, c'est fait. Ah oui, d'accord, après... Merde, comment je change déjà? Ah, comme ça. Ah oui, après, c'en est un autre. Ok, bon, on va essayer un autre. Okay. Pièce qui entretient. Réparation de la ventilation. Tiens, je vais faire celui-là, je sais pas pourquoi. Ouais, on va essayer ça, tiens. Alors. Saisissez et relâchez. Avec B, ok. Des boutons. Effectuer des réparations. Donc il y a les boutons et ensuite saisissez et relâchez. Ok. Qu'est-ce que ça va être encore? Ça va, les chargements, ça va, ils sont pas trop longs. Pas normalement. Ah si, c'est bon. Alors, attends, ok, d'accord, ah, ok, d'accord, ok, ah oui, je me retrouve dans une, ah, et puis un peu dessus, non, ça sert à rien, ouais, bah, c'est le bouton. Welcome to Vet ouais, Repair. Voilà. Fazbear Entertainment prides itself. Un petit bouton. Oh purée de bâtard. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Mais là ça marche pas. Putain, mais je... Ah! Ah, tiens, il y a un truc! Non, mais c'est sadique en fait ce truc!
Oh putain, en plus j'ai le bruit dans les oreilles. Ça va, heureusement qu'il me dit que c'est par là qu'il vient, mais je fais quoi là? Ça sert à rien. Oh là là, purée, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, c'est parti, tu le. Non, il n'y a rien d'autre, je peux pas appuyer part. Là, c'est parfait. Attends, il y avait un autre petit truc là. Ah, mais non, je peux pas le faire non plus. Bon, alors, faut que je le laisse venir. J'aurais dû le laisser venir un peu plus. Ah! Ok, d'accord, il y a un. Ah oui, bah maintenant il va arriver. D'accord, ok, donc maintenant. Ok. Ah oui, donc il est ici aussi maintenant. Purée! Faut que je fasse quoi maintenant? Attends, ça ok, je l'ai fait. Ah ok. Attends, je vais le laisser venir. Ah bah il vient pas. Donc ça on l'a tourné, ça c'est fait. Voilà, il était. Ok, maintenant. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le bouton là-haut. Hop, 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 hop. Attends, bouton, bouton, bouton. Voilà. Hop. Putain, ça. Où ça? Ah putain, faut que je regarde là. Attends, il arrive d'où lui? C'est quoi, il n'y a pas un bouton pour. Bon, attends, je vais aller. Voilà, ça y est, c'est bon. Allez, hop. Allez, vas-y. C'est un bouton. Olé! C'est un bouton bleu. Ah, d'accord, bleu, mais après. Ah merde, ah oui, d'accord. Ah putain, putain. Putain. Je joue plus. C'est fini, allez, bon vent, salut. Hop. Je dois avoir une de ces têtes quand je dois gueuler comme ça. Putain, c'est pas possible. Putain. Bon allez, j'en essaye un dernier. Ah, j'ai envie de me foutre la trouille encore. Alors Terra Nocturne, vas-y, on va faire ça et puis on verra bien. Bon là, ça fait déjà 17 minutes, je devrais arrêter, mais allez, j'ai envie de me. Oh non, c'est encore. Attends, ça va être la lampe torche, d'accord. Ah attendez, ah non, merde, je peux pas revenir en arrière pour voir les autres comment ça se passe. Ah, attends, bon, c'est pas là, on va faire ça, allez. Alors, donc, la lampe torche ZR. Je me téléporte avec X. Ok. Et je ferme les portes avec ZL. Ok, ça marche. On se téléporte. Alors, donc. Ah oui, merde, faut que je remette le 4 parce que là. Là, si je le fais à l'arrache comme ça va pas le faire. Ah oui, d'accord, alors. Je peux. Attends, mais c'est.
Well, hello again! Attends, mais... Ah, t'es là, toi. Attends, je te... Oh putain, l'angoisse était bon, j'arrête, hein. Allez, hop. Allez, hop, on va arrêter là-dessus. Allez, hein, c'est bon, voilà. Voilà, je me suis fait ma petite frayeur, c'est bon. Non, mais c'est bon, là, c'est pas fait pour moi, ça. Ça non, je veux bien faire d'autres jeux d'horreur, ce que vous voulez, mais alors ça, non, 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 et non, non. Terminé. Allez, hein, je vous remets sur... Oui, je suis sûr de me tirer. Hein. Encore, je préférais largement me balader, mais pouvoir se balader, vraiment. Pouvoir vraiment se balader, comment dire, dans un endroit clos, ce que vous voulez, hein, que de faire ce genre de délire. Attends, juste comme ça, c'est quoi les touches de celui-là, là, tant qu'on y est? C'est celle qu'on n'a pas vu puisque les autres, c'est pareil. Ah bah c'est pareil, saisissez, relâchez, ok. Appuie sur le bouton. Effectuez des réparations. Vas-y, lance pour voir comme ça. Welcome back to parts and service. Tant pis, je sais, ça va peut-être me foutre la trouille. Juste pour voir. It looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. L'œil droit. Ah ouais, bah j'ai parti. Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Voilà. C'est ce qui conclut donc la fin de Five Nights. Hein. Je vais le foutre dans sa boîte. Il va retourner d'où il est venu. Bon vent. Tiens, bah voilà, on va rester là-dessus. Non mais attends, j'ai pas compris là. Alors est-ce que c'est parce que... ouais, j'ai retiré le gauche, donc peut-être que... ouais, bon, allez, hein. Donc, la prochaine fois. Putain, la vache. La prochaine fois. Ah oui, la prochaine fois, donc ça sera donc normalement, hein, s'il sort bien à la date convenue. Donc ça sera de Stanley Parable. D'accord, le prochain jeu que je vous ferai. Si jamais c'est pas celui-là, bah... on verra bien, vous aurez une surprise. Et normalement, le jeu est programmé pour sortir donc le 27, je crois. Ouais, je sais plus, je l'ai noté pour quand. Bon, bref, de toute façon, il sort fin du mois d'avril. Voilà. Je sais pas si c'est le 27 ou quoi. Bon, bref, peu importe. Allez, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, un bon jeu et une prochaine fois. Salut !